Quel est cet animal? Cherchons-le. Bon, c'est mon cheval, mais il est un petit peu énervé, alors il le fait courir. Moi, j'ai changé de cheval. Je suis mieux sur ce cheval-là. Il est mignon, mais bon. Il avait vraiment envie de courir, en fait, là. Mais il est chou, lui. Il bouge pas. En pleine balade. Je sais pas si on les voit. Si, si. Il y a plein de singes dans les... Voilà, donc là, on est en pleine forêt. Avec le cheval. On en a plein là. Ouais, je l'ai eu. Par contre, il y a plein de moustiques. Heureusement qu'on a mis de la crème. Petite pause avec une coconut récupérée dans la jungle. Ça me fait du vent parce que je meurs de chaud. Comme Cléopâtre. Cléopâtre du Costa Rica. Cléopatros. Cléopinto. Ouais, on profite quand même là. C'est la pause de sangria. On a vu des iguanes sur la route. On a vu des monkeys. Bah, c'est pas dommage, on a envie de te dire. J'ai envie de te dire qu'on est content de pas avoir vu de serpent. Parce que moi et le contrôle de mon cheval, il est juste un peu improbable. Donc c'est sympa la coupe. Sympa, j'aime bien. Voilà, on profite quand même de ce point de vue. C'est qui arrive là au loin. Ça bouge un peu, je suis sur le cheval. Hein. Alors on a fini de faire du cheval, on est un peu KO et du coup là on va aller au parc de Kabuta pour voir un peu les animaux et surtout pour se poser sur les plages parce qu'il y a plein de petites plages sur le parc de Kabuta. Donc du coup on se dit qu'on va en profiter du beau temps, il fait chaud donc on a envie de se baigner parce qu'on mine de rien on s'est quasiment pas baigné à part à Playa Samara la première semaine donc on aimerait bien profiter aussi un peu de la plage. Voilà. En randonnion, c'est des chauves-souris. Salut toi. Tu fais ta toilette? On va aller essayer de chercher des sous parce que en fait on a retiré l'argent, on est bien, mais le problème c'est qu'apparemment ici on peut pas retirer plus qu'un plafond donc on va voir directement à la banque si c'est possible de retirer un petit peu plus parce qu'il faut qu'on paye les gens quand même, hein, ça serait gênant. Donc voilà, on a passé une super journée sinon à part ça. Pour la vida. Pour la vida. C'est bon, on
on a réussi à retirer un peu d'argent, donc avec la carte de sel bien sûr, pas avec la mienne. Mais du coup, on va pouvoir boire des cocktails en profusion. Voilà. C'est pas que l'on rentre à minuit, il est juste 17h30. Si comme moi les insectes t'adorent, t'as intérêt à grave te protéger quand tu viens au Costa Rica. Cela c'est juste la folie. Je vais vous montrer un peu l'esprit pour la villa, donc là on est dans notre restaurant et le serveur il est parti faire du vélo. Attends, je sais pas, qu'est-ce qu'il trouve le vélo? Et là il est en train de faire du vélo, il kiffe, il est mort de rire. Voilà. Alors aujourd'hui on va au parc de Cahuita. Non. Oh non, n'importe quoi. On va au parc de Manzanillo. Ah, le soleil ça va pas bon. On va au parc de Manzanillo, on a contacté, alors faut savoir qu'ici ils se parlent vachement par messages vocaux sur WhatsApp. Tout le monde fait ça, donc du coup on s'y est mis, peut-être ils savent pas écrire, je sais pas. Du coup on s'y est mis et on a regardé sur TripAdvisor pour avoir un bon guide. Et il y en avait un qui était très très bien conseillé, donc du coup on l'a contacté sur WhatsApp et là du coup on le rejoint directement au parc de Manzanillo. Il va nous faire la visite, apparemment ça va durer 4-5 heures et on va voir plein d'animaux normalement, donc ça c'est chouette aussi. Et on espère voir des serpents, même si j'aime pas trop ça, j'aimerais bien en voir quand même dans leur milieu naturel. A tout à l'heure. Il est dodane, si tu les prends pas à 2 km/h, tu voles. C'est à chaque fois... À 30 km/h, attention. La fille qui exagère rien. Du coup, en attendant, on va boire 2 jus de maracuja. Ça me fait penser à la chanson de Claude François. Alors Abel, il nous expliquait qu'en fait, le sel qui se trouve forcément dans la mer des Caraïbes, avec le vent, il avait été projeté dans la forêt, ce qui fait que ça avait brûlé une partie de la forêt. C'est assez incroyable. Habiju, pura crepitans, is the Latin name. Ok. Je sais pas si vous voyez, les épines sur l'arbre, incroyable. Wow. Oui. Costa Rica, yeah, Abel, great. Une maison de tarentules. Les bananes. Ouais. Et je ne mettrais pas la main dedans. Alors là, c'est ce qu'on appelle la rainforest. Il pleut, il fait chaud, c'est les tropiques, mais c'est super agréable et du coup on voit vachement plus d'animaux, c'est magnifique. Un almond tree. On peut pas savoir l'âge qu'il a en fait. Comme on est en forêt tropicale, il n'y a pas d'écorce, il n'y a pas de saison, il n'y a rien de tout ça, donc... Mais probablement très 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 vieux. Hold down the Sophie. Wow. Enfin, je voulais faire pipi, mais il y a un serpent.
l'intérieur. C'est tout petit cacao. He's going to toilet. Has to ask his mom first. Okay. Can I go? Alors en fait, on pensait que les boules noires qu'on voyait dans les arbres c'était fourmilières, mais pas du tout. Ça, fourmilières. Et les boules noires qu'on vous a montrées en vidéo, c'est les termites qui font ça. Et là, la fourmilière est juste énorme. Il y en a partout. On cherche les gros serpents, mais... Il est discret. Surtout, il faut avoir son œil à lui, parce que lui, il voit tous les serpents de très loin. Les novices, nous, encore. C'est le plus beau point de vue de Manzanillo. Voilà. Et j'avoue, c'est magnifique. Je suis plus capable. Caroline, si tu nous regardes, je suis plus capable non plus. Ah non, c'est trop beau. Allez, c'est pour Michel ça. Plein de champignons. Dans la forêt tropicale. Ça c'est la femelle. Bah oui, tu bouges, cocotte. Et le mâle il est un peu plus loin, mais il est trop compliqué à voir. Pour tirer des sous au Costa Rica, il faut être patient. Parce qu'on est dans une file d'attente. Où est-ce qu'on va? Réponse bientôt. C'est bien d'être un homme. On peut faire pipi partout où on veut. Et puis nous on attend quoi. Voilà, on se retient. Ok, alors je vais sortir de la voiture pour vous montrer un peu comme c'est très petit ici. À droite, le vide. À gauche, le vide. T'es bien. Non, tu klaxonnes plus, hein. Tu sais, tu vas klaxonner. Non. C'est l'aventure. Ça secoue dans la voiture. Derrière, mais c'est un bel indice pour vous dire où on va. Improbable. Si, derrière ça, il y a. On arrive au Panama, enfin à la frontière. Maintenant, on va voir si on peut au moins mettre un pied là-bas. En fait, on n'a pas pris nos passeports, alors bon, on veut pas trop faire les malins non plus, quoi. On est au Panama. Ah, les Panama Papers. On y est.